Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les séries de Fourier. Alors là on va commencer à taper dans le subtil, hein, le théorème de Fégère. Alors je dis Fégère, ça se trouve, ça se dit Féjère Fé ou Feyer, Fé ou ça, en fait j'en ai aucune idée. Désolé si je manque du respect euh, à ce brave Fégère, moi je veux dire Fégère. Hein. Ok, donc c'est un théorème qui est un petit peu compliqué et euh, qui a des applications quand même relativement sympas. Donc voilà, je vais vous en parler. Même si honnêtement, pour la prépa CAPES, je ne pense pas que ce soit le plus important, hein, d'accord Je pense que les vidéos précédentes étaient bien plus utiles et celle d'après aussi, puisque c'est Parseval. Ce Celle-là, c'est une petite parenthèse pour ceux qui en veulent un petit peu plus, mais bon, vous allez voir, plutôt sympa. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo Eh bien euh, voilà, je vais vous rappeler ce que ça veut dire converger au sens de César, d'accord. Et puis on va voir que si F est continu, sa série de Fourier converge au sens de César vers L uniformément. Et puis on verra des petites applications, d'accord. Donc voilà. Hein, le, le, bref, j'en dis pas plus, il y aura des petites applications, voilà, vous avez les titres là, mais il faut un peu de suspense quand même. Ok. Alors donc je vous rappelle mes notations pour les séries de Fourier, c'est toujours les mêmes. Donc maintenant on en est à la vidéo numéro 6, donc normalement vous devez les connaître. Donc euh, voilà, on prend l'ensemble des applications t périodiques continues par morceaux, et donc la série de Fourier c'est a0/2f sur 2 plus la somme des an cos n, n x et bn sinus n oméga x, oméga c'est 2 pi sur t. Hein. Je vous rappelle pour se rappeler oméga, c'est simplement le truc pour... il faut qu'ici ce soit t périodique. Hein. Il faut que cos n x soit grand t périodique, et donc ω, ben on voit bien qu'il faut ensuite choisir de pi sur grand t. Ok. Donc voilà, a n et bn sont les coefficients de Fourier, voilà, c'est ces intégrales-là, bon j'insiste pas trop. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que la convergence au sens de Cesaro Donc c'est une notion qui a été introduite par notre ami Ernesto Cesaro, euh, donc voilà, euh, au XIXe siècle. Et euh, alors, c'est quoi l'histoire ben En fait, ça, on prend une suite quelconque okay, et on appelle la moyenne de Césaro de la suite euh, U une autre suite, sigma. En fait, on aurait pu appeler directement la moyenne de la suite, hein, mais enfin bon, on dit moyenne de Césaro parce que voilà, par respect. Euh, c'est donc la suite qui est définie par la moyenne des n premiers termes. D'accord hein, Sigma n, c'est la moyenne des n premiers termes de la suite Un. Okay, donc, je fais la somme pour k allant de 0 à n-1 de Uk. Je divise par n. Il y a n termes, hein, puisque ça va de 0 à n-1, je divise par n, c'est bien la moyenne. J'appelle ça sigma n. Okay Donc, je donne tout de suite des, des petits exemples, ou pas Non, après. Parce que le théorème fondamental, bon, qui n'est pas bien compliqué, c'est que si la suite au début tendait vers une limite, okay, alors bah, sigma n converge également vers cette limite-là. Alors ça, c'est juste euh, pas très dur à voir. Vous voyez bien, c'est que si au bout d'un moment tous les un sont proches de l, ok alors vous me dire, bah oui la moyenne, mais alors si les termes du début c'était vachement loin de L, alors la moyenne ça n'a pas décalé tout ça, bah en fait euh, non, parce que les premiers termes en fait on s'en fout, parce qu'il y a le 1 sur N là, quand N tend plus l'infini, si les, les, les premiers termes ça va tendre vers 0, vous voyez. mais je prends un nombre fini de termes monstrueux, je m'en fous, fixé, les, les 1 milliard de premiers termes, divisé par N, quand N tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc si après ce milliard de termes, tous les UK sont proches de L, et ben bah, la moyenne de ce qui reste va être proche de L aussi, ok donc, c'est euh, la raison pour laquelle on, on parle de, de, cette, de cette construction, c'est vraiment pour ça. Pourquoi Parce que la réciproque est évidemment fausse, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Vous voyez si sigma n convergeait exactement pareil que un, bon, bah, peut-être ça pourrait servir dans certains cas pour des astuces, mais enfin. Non, l'idée, c'est que là, sigma n, elle, elle peut converger, alors que un au début ne convergeait pas. L'idée de faire la moyenne, ça fait quelque part essayer de régulariser. Vous voyez. Si la suite a des comportements un peu bizarres de chaque côté, tout ça peut se compenser et faire qu'en moyenne, elle converge, alors que a priori, elle fait n'importe quoi. Et du coup, ça donne une information vous voyez, sur la suite. Parce qu'entre deux suites qui font a priori n'importe quoi, s'il y en a une qui converge quand on fait la moyenne et pas l'autre, eh ben, du coup, ça donne une certaine information sur la suite. Vous voyez. Et donc, quand la, la moyenne converge, on dit qu'elle converge au sens de ces arômes. Donc, elle ne converge pas vers une limite, mais quand même... Quelque part, vous voyez, ça, les termes ont tendance à se compenser. Il y a une espèce de, de, je sais pas, de, de schéma de la suite qu'on peut un peu mieux comprendre parce que la moyenne tend vers quelque chose. Vous voyez. Hein, si c'est des comportements d'individus, etc., ça peut donner une information, de savoir que la suite converge au sens de zéros, C'est-à-dire si sigma de n converge. OK Donc, voilà la définition. Si sigma de n converge vers la limite L, et que la suite u n ne converge pas, parce que okay, sinon, elle converge aussi au sens de zéros, mais si elle converge au sens normal, on ne va pas dire qu'elle converge au sens de zéros, C'est juste un peu con. Bref. Donc, si, elle converge, si sigma de n converge vers L, alors on dit que la suite un converge au sens de ces arrows vers L. C'est-à-dire qu'elle ne converge pas, en fait. Hein. Converger au sens de ces arrows. Hein. Ok, alors je donne des petits exemples. Si je prends moins 1 puissance n, vous voyez la suite qui vaut euh, moins 1, enfin, pour n égale 0, qui vaut 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Bah, clairement, celle-là, elle diverge, hein, je veux dire. Voilà. Mais par contre, bah, vous voyez bien que la moyenne des n premiers termes, bah, vu que la somme des termes, ça fait soit 0, soit 1, divisé par n, ça tend vers 0. D'accord Donc elle converge au sens de C0 vers 0. Bon j'en ai pris une autre juste pour voir, mais c'est Je prends la suite il faut 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. bah vous voyez, je fais la somme de tous les termes des n premiers termes, j'obtiens en gros n sur 2. Donc divisé par n, bah en gros 1 demi. Donc ça voilà, ça converge au sens de C0 vers 1,5. demi. Bon ça c'est l'exemple vraiment évident, hein, quand, quand ça oscille entre deux valeurs, ça, ça tend vers la moyenne des deux, mais. Mais il y a d'autres cas, vous voyez, donc bon bref. Je ne vais pas faire tout le cours sur les suites hein, de Cesaro euh, maintenant, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, le théorème de Feyer, maintenant, donc, euh, voilà, qui a été démontré donc, en 1900, est le suivant. Alors, je fais un petit rappel hein, sur ce qu'on a vu sur les séries de Fourier. Peut-être que ça ne peut pas faire de mal, parce qu'il faut vraiment que les théorèmes y rentrent. On a vu que si f était c1 par morceau et continu, alors sa série de Fourier convergeait normalement, uniformément vers f. Ensuite, si F était juste C1 par morceau, mais pas continu, alors ça convergeait simplement vers F, là où elle est continue, et vers la limite à droite, plus la limite à, la moyenne de la limite à droite et la limite à gauche, là où elle n'est pas discontinue. Enfin bon. Globalement, ça converge simplement, on va dire. Et là, alors maintenant, on enlève C1 par morceau, qui était quand même l'hypothèse hyper essentielle, hein, si vous vous rappelez des preuves. D'accord, on dit juste F est continue. juste. Ok Et bien alors... L'astuce, c'est que la, la série de Fourier converge au sens de ces d'accord, vers f, même uniformément, ok Alors, d'accord, ça veut dire quoi hein Ça veut dire que, bah, j'ai ma série de Fourier, ok Sn de x, là, ouais, là c'est la, la, la somme partielle de la série de Fourier. Bon, bah, je prends sigma de n, c'est-à-dire je prends la moyenne de ça, sigma de n, 1 sur n somme pour n entre 0 à n 1 de Sn de x, ok Donc ça, c'est une fonction de x, hein, oui, c'est une somme finie, tout ça, je divise par 1 et grand n, bon et eh cette suite-là tend uniformément vers f. Donc ce n'est pas la série de Fourier, okay C'est une autre série, on va détailler un peu plus loin les, les, la, la forme des coefficients pour voir un petit peu, une autre série avec des coefficients, avec des cosinus et des sinus qui convergent uniformément vers f. Ok Donc voilà, donc c'est quand même sympa, quoi Vous voyez, Si f est juste continue, la série de Fourier ne converge pas forcément vers elle, ouais, je... on va reparler de tout ça. Hein. Mais il y a toujours un truc qui ressemble, une série trigonométrique, on dit en fait, hein, une somme de, de coefficients euh, avec des cosinus et des sinus et des machins qui convergent vers f uniformément quand même. Ok Donc voilà. Et puis on va voir les applications que ça peut avoir. Hein. Bon, alors, Donc ouais, maintenant il faut faire la preuve. Alors la preuve va ressembler pas mal à la preuve du théorème de Dirichlet. Si vous l'avez compris, c'est plutôt plus facile, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Et donc, on avait démontré dans la preuve du théorème de Dirichlet, tout d'abord, que la somme partielle de la série de Fourier d'une fonction f, Sn de x, c'était c'est l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de x moins u dn de u du, ou dn de x. Donc, c'est le noyau de Dirichlet. On l'appelait, c'est la fonction qui fait la somme des e n oméga x entre moins grand n et plus grand n. Autrement dit, on avait calculé que c'était ça, d'accord C'était sinus de n plus 1 oméga x sur 2, sinus oméga x sur 2. Ça, c'est si jamais, ça ne s'annule pas en bas, donc quand x n'est pas un multiple de grand t. Et sinon, de toute façon, c'est continu, hein. quand x tend vers 0, vous voyez, ça, ça simplifie, ça tend vers 2n plus 1. Donc ça, les valeurs pour x, un multiple entier de grand t, c'est 2n plus 1. Voilà, on obtient bien dn de x, une fonction qui est continue sur r, tout ça. Et, euh, et on avait trouvé que la somme partielle des séries de Fourier, ça pouvait s'écrire comme ça. OK D'accord Donc l'astuce, c'était de passer par les nombres complexes, mais bon, on va, on va vous voyez la preuve, hein, c'est pas bien compliqué. Alors, le calcul est chiant, mais... Oups, pénible. Mais euh, voilà, mais c'est pas très dur. Conceptuellement, il n'y a rien, c'est juste du calcul. Quoi. Ok, donc maintenant, bah, ça se complique un petit peu parce que euh, moi, je vous rappelle, je veux faire la 1 sur grand N, somme pour petit n allant de 0 à grand N-1, de Sn de X, donc la somme de tout ça, bah, donc, ça va être 1 sur t l'intégrale de f de X-U fois la moyenne de tout ça. Donc je l'appelle fn, hein, d'accord, donc c'est d0 plus d1 plus d2 plus dn-1 divisé par grand N. Et du coup comme ça j'obtiens bien que ma série euh, de Césaro, là, ma moyenne des, des Sn, SN sigma n de x, bah, du coup c'est 1 sur t, somme de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x moins u, fn de u, du. Voilà. Et donc ça, <laughs> pourquoi f, la d comme dirait f comme phégère, c'est ce qu'on appellera le noyau de Feyère ou de Fégère. De, euh, de F. Ok Enfin non même pas de F parce que ça ne dépend pas de F. Hein. Voilà, et donc il faut montrer que ce truc-là tend vers euh, F uniformément. Okay Alors, donc première chose à remarquer, on l'avait vu la, la dernière fois, hein, c'est que l'intégrale du euh, noyau de Dirichlet, donc euh, ça fait 1 sur euh, entre moins t sur 2 et T sur 2 fois 1 sur T, tout ça. Okay Alors c'est super facile à voir, donc je, bon, autant le redire, parce que je vous rappelle que DK par définition c'était la somme pour n à moins de moins k à k. De EIn x dx, et l'intégrale de EI n x sur une période, c'est tout le temps 0, sauf quand n vaut 0. Hein, parce que l'intégrale de cos sur une période c'est 0, même de cos n bah, c'est 0, sinus aussi. Donc l'intégrale de tout ça ça fait 0 sauf pour n égale 0, ou quel cas ça fait 1. Entre moins t sur 2 et t sur 2, bah, du coup ça fait t divisé par t, ça fait 1. Okay Donc cette intégrale là fait 1. Mais du coup, si je fais ça pour d0, pour d1, pour d2, pour dn 1, ça fait tout le temps 1. Donc si j'ai la somme des intégrales de d0 plus d1 plus d2 plus dn moins 1, ça fait n, divisé par n, ça fait 1. Et donc l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2, de, enfin 1 sur t fois cette intégrale de fn de x dx, ça fait 1 aussi. D'accord La moyenne de n nombres qui valent 1, bah, ça fait 1. Ok, donc voilà, ça, ça, ça c'est pas mal. Du coup, euh, après il y a une autre formule, alors celle-là elle est un peu plus pénible. Donc euh, voilà, donc, euh, je ne vais pas vous la prouver parce que euh, c'est juste encore du calcul un peu bourrin, mais vous allez me faire confiance en tout cas pour le moment. Et euh, que fn de x, donc c'est euh, la moyenne des, des noyaux de Dirichlet qui étaient déjà des sinus sur sinus, tout ça, ça vaut ce truc-là. 1 sur n sinus n oméga x sur 2 divisé par sinus oméga x sur 2, le tout au carré. Alors en fait la, la formule complète, en fait, on s'en bat ben un peu les steaks. Ce qui est important, c'est ce soit positif. Dans ma... Dans ma démonstration, vous me faites confiance, FN, alors ça ne se voit pas du tout, hein. D'accord, c'est une moyenne de fonction avec des sinus et tout ça, qui a priori ne sont pas du tout positives. Mais la moyenne de toutes ces fonctions qui ne sont pas forcément positives est elle est tout le temps positive. Ok D'accord, donc j'espère que je vous serez content. Comment ça Quoi, tu veux voir le détail du calcul Ouais, bah, plus tard, hein C'était sage. On verra plus tard. Là, on va essayer de se concentrer sur les concepts qui font que la preuve marche. Donc voilà. Tu vas me faire confiance. Non, mmh c'est positif. Ok Alors, alors allons-y. Donc, on sait que sigma n de x, c'est cette intégrale-là, et que cette intégrale-là vaut 1. Donc, vous voyez venir, comment je vais pouvoir montrer que sigma n de x tend vers f de x et bien, je vais rentrer le moins f de x, je vais faire sigma n de x moins f de x, et le moins f de x, je vais le rentrer dans l'intégrale en utilisant cette petite propriété-là. Et donc, si je multiplie ça par f de x, et ben, ça fait bien f de x. Et hop vous voyez venir, donc du coup, sigma n de x moins f de x, eh bien, ça fait 1 sur t intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x moins u. C'est celui-là, moins f de x fois ça, clac, ça c'est f de x, puisque l'intégrale là vaut. Hein. Et donc j'ai mis en facteur f de x moins u moins f de x fn de u du. Ok J'espère que je ne suis pas allé trop vite. C'est le f de x, je l'ai remplacé par 1 sur t somme de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x fn de u du. Et donc quand je fais la différence par linéarité des intégrales, c'est 1 sur t l'intégrale de la différence des deux, j'ai mis en facteur, j'obtiens ça. Voilà, voilà, voilà. Bon maintenant, bah, donc il faut montrer que ce truc-là tend vers 0 uniformément. Sur R. Pas complètement évident. Alors effectivement, euh, quand même, quand même, bon, euh, on sait que F est continue. Hein, C'est comme une hypothèse, donc si U est proche de 0, F de x moins U ça va être proche de F de x. Mais enfin bon. Jusque-là, ce n'est pas fantastique. Bref, alors comment on fait ça alors, déjà, au euh, major, truc absolument classique, hein, si la valeur absolue de ça, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Et là, ô subtilité, je peux sortir le fn de u de la valeur absolue, puisque je vous rappelle que fn est une fonction positive. Voilà où j'utilise mon hypothèse, d'accord que je n'ai pas démontré, mais que je vous demande d'admettre pour le moment, que fn est positive. Donc, je peux le sortir. Là. Ok Dire bon, d'accord. Alors, ensuite, f, elle est continue sur 0t. Donc, elle est même uniformément continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement Je vous rappelle, c'est un, un petit rappel, si je prends le sup des écarts entre f de x et f de y tel que pour, quand l'écart entre x et y est plus petit qu'alpha, okay, bah ce sup-là existe. Voilà. Euh, ça, c'est vrai, hein, c'est uniformément continue, ça veut dire ça, ça veut dire que... C'est une façon de le dire un peu bizarre, mais ça veut dire que, on savait bien que quel que, soit epsilon, ça veut dire quel que soit epsilon, il existe un alpha, tel que si x moins y plus petit alpha, ça est plus petit epsilon. Autrement dit, hein, c est, c est, si je note cette fonction-là, bon, ça, ça existe a priori euh, toujours, ça pourrait valoir plus l'infini si jamais, mais enfin non, f de x et f 2 y, c'est des nombres, donc. Euh, ok, voilà. Bon, ça, le sub pourrait tendre vers plus l'infini à la rigueur, hein, si on sait jamais, c'est une fonction tend très vite. Bon, enfin bon, donc admettons que m de alpha soit un nombre entre 0 et plus l'infini. Pour une fonction quelconque, si elle est uniforme en continu, la, la définition d'uniforme un en continu, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un alpha tel que m de alpha est plus petit que epsilon. C'est vraiment ça. D'accord Ok. Hein, écrivez en détail, c'est vraiment, ça veut dire ça. Parce que je vous rappelle, uniforme en continu, c'est pour tout epsilon, il existe un alpha tel que si x moins y est plus petit alpha, alors f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Donc le sub de, de tout ça est plus petit que epsilon. Donc voilà. Ok Bon. Jusque-là, vous allez me dire, très bien, mais enfin, là, il n'y a pas de raison que. Vous voyez, que. que x-u et x, pourquoi en différence ce serait plus petit qu'alpha ben, Ça veut dire que la valeur absolue de u est plus petite que alpha. Il ben, n'y a, a pas de raison, u il est entre moins t sur 2 et t sur 2, vous voyez donc. Euh, a priori, il n'y a pas de raison. Et donc, je vais couper en deux, en fait, pour faire apparaître les endroits où u est sympa et les endroits où u n'est pas sympa. Ok Donc, c'est l'astuce. Donc, mon intégrale qui est là, je la coupe en deux morceaux. Donc je dis c'est l'intégrale entre euh, donc euh, moins alpha et plus alpha j'ai mis valeur absolue de u plus petit alpha et puis le reste c'est valeur absolue de u plus grand qu'alpha. et d'ailleurs toujours plus petit que t sur 2 parce que je suis toujours dans cet intervalle là ok alors j'ai noté ça comme ça parce que là, sinon il aurait fallu que je mette deux morceaux vous voyez entre moins t sur 2 et moins alpha et puis entre alpha et plus t sur 2 voilà j'ai pas voulu m'embêter donc j'ai écrit ça comme ça pour regrouper les deux morceaux en une seule intégrale mais juste coupé en... en... fait j'ai coupé en trois bouts hein. le milieu, quand U est sympa, et puis les deux autres morceaux quand U est pas sympa, j'ai noté ça comme ça. Ok. Voilà. Donc bon d'accord. Alors, celui-là, c'est cool, parce que c'est plus petit que m alpha. D'accord hein, Ce truc-là est plus petit que m alpha. je le sors de l'intégrale. Et l'intégrale 1 sur T, l'intégrale de Fn de U du sur U puissance alpha. c'est plus petit que l'intégrale entre 1 sur t sur tout l'ensemble de fn de u, de u, puisque fn est positif, je dis encore. d'accord Donc si je grossis l'intervalle d'intégration, l'intégrale devient plus grande. Et, donc, et quand elle est plus grande, elle vaut 1. L'intégrale de fn de u sur tout l'intervalle, c'est 1. Donc finalement, si je sors le m alpha, tout ça, c'est plus petit que m alpha, puisque l'intégrale juste sur ce petit bout-là est plus petite que 1. Donc voilà, ça c'est pour le premier bout. Pas trop dur. Ah, je vous rappelle, m alpha, c'est le sub de ces valeurs-là, hein, justement dans ce cas-là. Alors voilà, maintenant il reste ce truc-là. Alors ce truc-là, ben, je vais majorer comme un barbare, c'est-à-dire que valeur absolue de ça, moins ça, je veux dire que c'est plus petit que valeur absolue de f de x moins u, plus valeur absolue de f de x, et les deux, je majore par le sub de toutes les valeurs de f. Donc je fais ça vraiment comme un barbare. f est une fonction qui continue et périodique, donc bornée, parce que continue sur un compact, elle est forcément bornée, et comme après, ben, elle recommence. Hein, donc, euh, sur 0t elle est bornée puis après r commence toujours pareil donc elle est bornée sur r donc le sub de f norme infinie de f ça existe ça c'est plus petit que 2 fois norme infinie c'est une majoration qui est vraiment énorme d'accord donc hop je le sors donc ça je sors le 2 fois norme infinie de f. Le t euh, bah, il était là et euh, là j'ai remplacé fn de u par sa valeur. Alors fn de u donc c'était euh, je vous en rappelez pas sans doute mais c'est normal, c'était 1 sur n, donc je l'ai sorti. Euh, sinus carré n oméga u sur 2 sur sinus carré oméga u sur 2. Okay donc voilà, j'ai hein, la formule que je n'ai pas prouvée, là je l'utilise, boum, je remplace fn de u par ça. Et alors, alors donc euh, voilà, euh, l'idée c'est de montrer que ça tend vers 0, toujours. Hein. Alors maintenant je vais essayer de majorer ce truc-là, alors qu'est-ce que ça veut dire, cette intégrale Si on regarde bien, bon déjà, euh, lui le sinus carré, là il est toujours plus petit que 1, hein, donc ça mange pas de pain, je peux l'enlever, pim. Donc ce truc-là, c'est juste ce morceau-là. Hein. Il est plus petit que ça, j'ai gardé la même chose, l'intégrale entre ça, de ce truc-là. Okay Alors maintenant ce truc-là, cette formule-là. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors sinus oméga euh, u, en fait, quand euh, u est entre alpha et t sur 2, ou en moins alpha et moins t sur 2, euh, c'est une fonction qui est tout le temps... Alors le sinus oméga u est toujours plus petit que 1, ok, d'accord, mais toujours plus grand que la valeur de alpha. D'accord Parce qu'en fait, hein, le sinus, il vaut entre 0 et 1. Okay et euh, là, enfin, il vaut 0 quand euh, u vaudrait 0. Okay et après, il ne vaut pas 0. Hein, je veux dire, quand, euh, quand u arrive même à t sur 2, là, en fait, ça fait ωt sur 4. Vous voyez, ça ne fait pas du tout 1. On n'est pas encore à la première période. Hein, D'accord Ça fait π sur, sur 2. Euh, ωt, c'est 2π sur t. Donc, euh, si, ça fait π sur 2. Donc, ça vaut bien 1. On est bien là, donc c'est la première fois que ça vaut 1. Bref, donc cette fonction-là, en fait, euh, ce qu'il y a en bas, hein, ça part de sinus, oméga carré, sinus carré oméga alpha sur 2, je vais y arriver, et hop, ça monte jusqu'à 1. Okay donc la plus petite valeur, c'est sinus carré oméga alpha sur 2. Donc la plus grande valeur, quand je prends l'inverse, c'est 1 sur sinus carré oméga alpha sur 2. Donc cette fonction-là, elle est toujours plus petite que 1 sur sinus carré oméga alpha sur 2. Et donc je majore ça par 1 sur sinus carré oméga alpha sur 2 plus petite que l'intégrale de 1 sur ça d'accord et donc du coup je prends tout l'ensemble encore à nouveau et c'est plus petit que t entre moins t sur 2 et t sur 2 l'intégrale de t de ça c'est plus petit que t autrement dit j'obtiens finalement que si je sors le 1 sur sinus carré oméga alpha sur 2 que l'intégrale est plus petite que t avec le t qui est là ça simplifie et donc j'obtiens 2 normes infini sur n sinus carré oméga alpha sur 2 voilà 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 Ouf, bon c'est pas évident, là je me suis un peu embrouillé, mais c'est le passage un peu, un peu technique. Okay hein Alors voilà pourquoi je ne pouvais pas faire ça au début, parce que là pour le coup si je pas coupé en deux, et si elle u elle avait pu aller jusqu'à 0, bah du coup là sinus 1 sur sinus 0, l'infini, tout ça j'aurais pas pu, ouais. Donc c'était important de pouvoir couper en deux pour pouvoir avoir cette majoration-là. Okay et l'autre, c'est pas tellement gênant parce que euh, voilà. Alors revenons-en à nos moutons. Donc finalement on a démontré que... La norme de sigma de n moins f infini, parce que c'est vrai pour tout x, hein, d'accord Donc c'est vrai pour toutes les valeurs de x, c'est vrai. La norme infinie donc, est toujours plus petite que ce truc-là. Parce que ce qu'il y a de bien avec ce truc-là, c'est qu'il n'y a plus de x-là. M alpha et ce truc-là, il n'y a plus de x. Donc, pour tout x, j'ai une majoration, donc la norme infinie est plus petite que ce truc-là. OK Donc maintenant, on sait que ce n'est pas très dur, parce que euh, m de alpha, il tend vers 0. Hein. Si on prend un epsilon, on peut choisir un alpha tel que soit plus petit que epsilon. Ça, c'est la définition de l'uniforme continuité. Donc je prends un epsilon 0, epsilon positif quelconque, et je choisis un alpha tel que m de alpha est plus petit qu'epsilon. Ça existe. Mais maintenant, le alpha est fixé. L'astuce. J'ai choisi un alpha fixé, super petit, okay, ok. Donc le 1 sur sinus carré oméga alpha sur 2 est super grand. Ok, m'en fous, parce que 1 sur n, quand n tend à plus l'infini, ça va tendre vers 0. Une fois que alpha est fixé, tout ça c'est une constante. Et donc je sais qu'il existe un n0, tel que pour tout n plus grand que n0, tout ça, c'est plus petit epsilon. alpha est fixe hein, maintenant, donc c'est une constante fois 1 sur n. Bah, quel que soit le epsilon de départ, au bout d'un moment, c'est en dessous. Parce que ça tend vers 0, cette suite quand n tend vers l'infini, simplement. Et donc au final, bah, j'obtiens qu'il existe un n0, tel que pour tout n plus grand que n0, bah, la norme infinie de sigma n-f est plus petite que 2epsilon. Et bien ça, ça signifie exactement que cette suite-là tend vers 0. D'accord C'est la définition, et donc ça veut dire que sigma n converge uniformément vers f, hein, parce que c'est la définition. La norme infinie de la différence des deux tend vers 0, bah, ça veut dire que sigma n converge uniformément vers f. Et voilà, ça fait la preuve du théorème. Alors, donc application, voilà maintenant qu'on sait ça, donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu euh, précisément. Si je prends une application continue, il existe une suite de, polygone, de polynômes trigonométriques. Alors, un polynôme trigonométrique, hein, c'est une combinaison linéaire de fonctions euh, cos nx, hein, ok qui convergent uniformément vers f sur AB mais qui n'est pas nécessairement la série de Fourier, mais qui, voilà, d'accord Alors, pour les fonctions C1 par morceau, on le savait déjà, puisque c'est la série de Fourier hein, continue et C1 par morceau, on le savait déjà, la série de Fourier converge uniformément vers F. Alors, est-ce que ce théorème est vraiment mieux Oui, parce que dans notre tête, on se dit, bah franchement, les fonctions continues qui sont pas C1 par morceau, est-ce que vraiment ça arrive et bah, La réponse est oui, en fait, ça arrive super souvent. Là, je vous ai pris un signal sonore. Et C'est souvent les signaux sonores. Vous voyez, quand on fait du MP3 ou on fait de la compression de données, etc., c'est les signaux vidéo, des signaux sonores, etc., ça, c'est des signaux fortement oscillatoires très rapidement. Hein, pour les CD, vous savez, c'est 44 000 Hz, donc 44 000 fois par seconde. Enfin bref. Et donc, en fait, non, ça, oui, c'est des fonctions-là. En plus, même celle-là, elle, elle est étirée, vous voyez, pour que vous voyez mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fichiers où on vous montre le, un fichier wave ou je ne sais pas quoi, on vous montre un peu les oscillations, le, la forme de la fonction. En fait, on voit un nuage, quoi. On ne voit pas du tout que c'est une fonction, une espèce de voir un, un gros truc compact avec des petits pics dans tous les sens, vous voyez. Et pourtant, c'est une fonction. Mais c'est une fonction qui est vraiment très très tellement, vous voyez, on ne voit pas du tout le, la courbe. Donc, c'est pour ça que. En fait, c'est pas vraiment C1 par morceau. Alors, vous pouvez me dire, si dans les détails, oui, on pourrait peut-être le dire quand même, parce que si c'est des petits trucs, si c'est continu... Mais enfin, bon, c'est pas si clair qu'on puisse vraiment utiliser les propriétés de C1 par morceau, vous voyez Donc pour des fonctions de ce type-là, en fait. Est-ce que ça aussi oscille tellement vite, et tout etc., etc., que bah voilà, les morceaux, ils sont vraiment très petits, etc. Donc c'est pas, pas si évident, en fait. D'accord On veut... Voilà. Dans la vraie vie, on applique... Bon, la vraie vie, toutes les fonctions sont continues, vous allez me dire, bon, d'accord, mais... Hop. Bref, ça peut être utile pour euh, voilà, pour démontrer des, des fonctions, sur des fonctions un peu bizarres, Et ça arrive en fait quand on fait des séries de Fourier, ça arrive qu'on ait des fonctions qui soient pas con c1 par morceau. En fait, c'est ça la morale, c'est que ça peut servir. Faites-moi confiance, ok Il y a des cas où on est bien content de ne pas avoir les besoins de l'hypothèse c'est un par morceau. Ok, euh, voilà, bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est important que vous compreniez bien parce que c'est vrai que j'ai vu que mes étudiants étaient oh là là là, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce truc alors sigma 1, donc c'est euh, la moyenne des premiers termes de A0, il n'y en a qu'un. Okay, c'est A0. Sigma 2, vous voyez, alors c'est quoi ben, C'est euh, A0 plus le terme A1, mais le tout divisé par 2. Alors, le terme A0 sur 2, il était, il était dans les... Enfin, a de f il était dans les, dans les séries de Fourier. Euh, il était deux fois. Donc du coup, je me demande si j'aurais pas dû mettre un petit A0 sur 2. Là, j ai, j ai, là je pense que j'ai un petit peu raté. Parce que le premier terme de la série de Fourier, c'est A0 sur 2, en fait. Hein. Donc là, je fais une petite faute de frappe, ça doit être a0 sur 2, mais ce n'est pas très grave. Le premier terme de cette folie. Donc là, il y a le 0 sur 2, il y est pour s0, il y est aussi pour s1, donc il y est deux fois, quand on divise par 2, hop, il doit être, à, voilà. Et puis alors, par contre, 1 2f, et bien 2f qui normalement ne sont pas sur 2, bah eux qui sont été rajoutés d'une fois, ils sont sur 2. Bon, vous allez mieux comprendre avec le terme d'après. Si je fais sigma 3, du coup là je me suis couvré, à chaque fois vous voyez a0, 2f, c'est à 0 2f sur 2. Hein. Mais il y est pour lui, le premier terme, voyez-le, c'est comme je fais la série de ces 0 d'une suite UN, si je fais U0 plus U1 plus U2 euh, sur 3, bon ben bah, voilà, là dans, U0, dans S0, il y avait A0 sur 2. Dans euh, S1, il y avait aussi. Dans S2, il y avait aussi. Donc quand je fais la somme des 3 et je divise par 3, bah, il y a toujours le premier terme. Voyez par contre, là, le terme en 1, cos oméga x, bah, il y était pour S1 et S2. Donc il y était deux fois. Mais je divise par 3 parce que je fais la moyenne des trois termes. Et puis les cos 2 oméga x, sin oméga x, bah, ils n'y était qu'une fois. Ils n'étaient que, que dans S2. Et donc... Euh, du coup, eux, ils sont divisés par 3. Et ainsi de suite. Ouais, j'ai écrit le, le, le suivant pour que vous compreniez. Donc, celui-là, c'est toujours à 0,2f sur 2, normalement. Mais bon, voilà. Et, et bien là, voilà, celui-là, il est 3 fois, parce qu'il est dans S1, S2, S3. Donc, il est 3 fois ce terme. Et je divise par 4 parce que j'ai pris la moyenne des quatre termes. Ainsi de suite. Voilà, celui-là était 2 fois sur 4. Donc, ça simplifie. Ça fait sur 2. Celui-là était 1 fois sur 4. Okay. Et ainsi de suite. Voyez. Donc, ça ressemble vachement à la série de Fourier, sauf qu'il y a des petits coefficients qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui changent chaque fois. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une série trigonométrique, parce qu'une série trigonométrique, c'est, on a une somme de termes, on rajoute des termes, okay et on ne change pas les premiers d'une série. Là, ce n'est pas le cas, vous voyez, parce que les premiers termes de lui, à part le, le premier à 0 sur 2, ne sont pas les, les premiers termes de là. Donc ça change à chaque fois. À chaque fois, c'est des polygones, des polynômes trigonométriques, c'est vraiment des trucs comme ça, des polynômes trigonométriques, vous voyez, il y a des coefficients, puis il y a des termes cosωx, x, x cos2ωx, sinus 2 ωx, cos 3, et ainsi de suite, cos n oméga x, sinus n nωx x avec des coefficients. Puis ça s'arrête au bout d'un fini de coefficients, donc c'est des polynômes trigonométriques. Et bien il y a une suite de polynômes trigonométriques qui convergent uniformément vers f. Et c'est celle-là. Vous voyez, on a même une expression en fonction des coefficients de Fourier. Mais ce n'est pas nécessairement la série de Fourier. Ok Voilà, j'espère que ce théorème est un petit peu plus clair. Alors, à quoi ça va servir d'autre de savoir ça Première chose très importante, donc maintenant si je sais que ma fonction elle, était périodique et continue et que sa série de Fourier converge vers quelque chose, alors elle converge vers F. Alors je laisse réfléchir un petit peu. Hein, une fonction, a priori, il n'y a pas de théorème qui dit que si la fonction est passée un par morceau, sa série de Fourier converge. D'accord On ne sait pas. Mais en tout cas, si la série de Fourier converge en un point X vers quelque chose, c'est forcément vers F. Vous allez me dire, ah ben non, attendez, euh, Dirichlet, on a vu que ça convergeait pas forcément vers f et tout. Oui, mais elle n'était pas continue. Là, la fonction est continue, d'accord Donc, Dirichlet, ça convergeait partout vers f, là où f était continue. Bon, ben là, nous, notre fonction est continue partout, mais pas c'est un par morceau. Si la série de Fourier converge vers quelque chose, c'est forcément vers f. Bon, la preuve, bah, c'est juste évidente, parce que je vous rappelle, c'est le lemme de Césaro, c'est qu'il dit que si une suite SN converge vers quelque chose, alors sa moyenne de César converge vers la même chose. Or, la moyenne de César converge vers f tout le temps. Donc si elle converge vers quelque chose, c'est vers F. D'accord Si on a un point X, la suite de Fourier converge vers quelque chose, c'est vers F de X, puisque la moyenne de ces arrows converge vers F de X, ça on est sûr. Ok Donc voilà. Et ça, une petite remarque, c'est pas... Euh, je veux comparer un peu aux séries entières dont on a déjà parlé. Hein. c'est n'est pas, pas si long que ça, parce que les séries entières, par exemple, on avait vu qu'il était possible que la série de Taylor d'une fonction de classe C infini converge partout, mais pas vers F. Vous hein, sauf en 0, vous vous rappelez, c'était cette fameuse contre-exemple à l'exponentielle moins 1 sur x2. On a vu que la série de Taylor elle, elle valait zéro partout, d'accord et, et elle, la fonction, elle est non nulle à part en zéro. Et pourtant, euh, donc la série de Taylor, vous euh, le développement de série entière de, de f, là, euh, bah, il vaut zéro partout, donc il converge, c'est rien de convergence infinie et tout, mais il converge pas vers f. Alors que les séries de Fourier, donc c'est plus compliqué, il y a des cos, des sinus, enfin, quelque part, c'est plus compliqué, même si les hypothèses sont vachement plus faibles pour que ça existe. Mais en tout cas, si ça converge vers quelque chose, c'est forcément VRF. Vous voyez D'accord Donc voilà, c'est une petite remarque sympathique comme ça. Donc ça peut être utile dans certains exos hein, de savoir ça. Parce que pour une raison ou pour une autre, par exemple, sur les coefficients des séries de Fourier, on arrive à montrer qu'elles convergent en majorant comme des, comme des sagouins on arrive à prouver que la série de Fourier converge. Ben alors c'est VRF. Ouais. Ok. Alors, d'autres autres trucs super intéressants. Si deux fonctions, t périodiques et continues ont les mêmes coefficients de Fourier. D'accord Alors, elles sont égales. Donc voilà, donc ça c'est un peu, euh, voilà, un, j'ai appelé ça l'injectivité des coefficients de Fourier, vous voyez, donc ça veut dire que deux, deux fonctions différentes ont des coefficients de Fourier différents, si elles sont continues, d'accord Alors c'est évident, c'est pas continue que c'est faux, parce que vous voyez, je prends une fonction qui continue, euh, même pas, enfin je prends une fonction, je calcule ses coefficients de Fourier, je change des valeurs à un nombre fini de points, les coefficients de Fourier qui sont définis par des intégrales ne vont pas changer. Donc c'est évident que la réciproque, enfin que ça ne va pas être vrai en général, cette affaire faire là, parce que vous voyez, f change la valeur en 0, en 1, en 2, en 3, euh, hop, les coefficients de Fourier ne changent pas. Et pourtant, bah, du coup, ce n'est pas la même fonction. Donc ça, ça ne va pas marcher. Mais si elles sont continues, et s'ils ont les mêmes coefficients de Fourier, alors elles sont égales. D'accord Alors la preuve, elle est vraiment très bête, parce que la série de Fourier de, de f bah, est égale à la série de Fourier de g. Elles ont les mêmes coefficients de Fourier, donc c'est la même. Donc bah, du coup la moyenne de ces euh, pour f c'est la même que la moyenne de ces pour g. Or bah, fégère nous dit que comme elles sont continues, cette série là elle converge vers f de x, mais elle converge aussi vers g de x, c'est la même. Bah, donc f de x est égal à g de x, c'est toutes les valeurs de x, voilà. Donc c'est tout bête avec le théorème de Fégère, sinon en soi c'est pas évident à démontrer directement. Hein. Ok donc voilà. Donc évidemment, le résultat précédent ne peut pas se généraliser à f et G continu par morceau, comme je vous l'ai dit, hein, puisque euh, il suffit de changer la valeur de f en nombre fini de points, et puis Voilà. Ok. Alors par contre, ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, c'est que si euh, f et g sont juste continu par morceau, et qu'elles ont les mêmes coefficients de Fourier, alors elles sont égales presque partout. D'accord Donc autrement dit, hein, f égale g presque partout. Voilà, il y a un ensemble de mesures nulles telles que... Autrement dit, on verra que l'intégrale de f, pour être tout à fait précis, on verra que l'intégrale de f moins g au carré est égale à 0. Okay, ce qui montrera que f est égal à g, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Ok Donc voilà. Bon, alors, ensuite. Euh, oui, alors, on va essayer de voir qu'il y a un rapport donc, entre les coefficients de Fourier, le comportement à l'infini des coefficients de Fourier et la régularité de F. Alors la régularité, c'est-à-dire ce qu'elle est dérivable classe C1, classe C2, classe C3, etc. Voilà, il y a un rapport entre ces choses-là. Alors regardons ça tout de suite, ça c'est intéressant. Euh, on va réutiliser le théorème, un, un truc que j'avais dit qui, qui allait servir. Vous voyez, quand on a vu la convergence normale, je vous ai dit bon bah pff, elle sert à rien cette convergence normale, je ne vois pas en tout cas d'exemple où elle est utile. Mais par contre dans la preuve on a vu une relation entre les coefficients de Fourier de F et les coefficients de Fourier de F', et ça c'est par contre c'est utile. Et donc on va la réutiliser maintenant. Donc c'est un petit rappel de la vidéo précédente. Si f est de classe C1, on a vu qu'il euh, y avait un rapport, a n de f c'était moins 1 sur n oméga bn de f', donc f' la dérivée de f, hein, puis bn de f c'était 1 sur n oméga An de f'. Okay. Et donc euh, maintenant si f est de classe Ck, ok on peut euh, recommencer ce, ce truc plein de fois. Et donc, euh, pour, pour, les, pour, voilà, pour les, les, les signes qui m'embêtent, j'ai mis des valeurs absolues, comme ça je ne suis pas embêté. A, n de F, c'est 1 sur n puissance K omega K fois quelque chose de FKM. Alors, DN, en l'occurrence, vous voyez, c si c'est pair, c'est A, A, n, Et si n est impair, c'est BN. Bon, voilà, j'ai trouvé une astuce pour... Parce que je ne sais pas comment noter ça, parce que vous voyez, ça alterne à chaque fois. Donc, euh... donc voilà. Hop, hop. Euh, tuk, tuk, tuk. Alors non, je me suis euh, je me suis pas couré moi. C'est si ça, non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon bref, donc j'ai fait n'importe quoi. <laughs> voilà. C'est juste c'est c-k pair que voilà. Là c'est b, c est bn c-k impair. C-k pair c'est a n D'accord Et là ici c'est le contraire. Hein, parce que c'est Bn. Et coup d'après si je reprends la dérivée, vu que Bn de F prime, c'est An de F seconde fois ça, du coup An de F c'est 1 sur n de ω2, An de F seconde. Et donc quand K est pair ici c'est AN, et quand K est impair, ici c'est Bn. Et donc c'est pas du tout ce que j'ai marqué là, donc on oublie, hop je cache, voilà. Donc en gros c'est AN ou BN tout le temps, euh, ça alterne. On, on s'en fout, l'important, enfin, ouais, c'est que on ait ces relations-là, d'accord après, s'il soit a n ou b n, on va voir ici qu'en fait je m'en fous un petit peu. Pourquoi Donc en tout cas, ça, ça tend vers 0 en plus infini, ça tend vers 0 en plus infini, puisque je vous rappelle que les coefficients de Fourier, on l'a vu d'après l'inégalité de Bessel, donc ça c'était il y a deux ou trois vidéos en arrière, les coefficients de Fourier tendent vers 0, pourquoi Parce que la somme des carrés des coefficients de Fourier converge. Ça on le sait. D'accord Donc, en particulier, les coefficients de Fourier d'une fonction tendent toujours vers 0. D'accord Fonction continue, on l'a vu déjà, okay. Donc, euh, même continue par morceau, on l'a déjà vu. Okay Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça tend vers 0. Okay Donc, autrement dit, a n de f, c'est 1 sur n puissance k fois un truc qui tend vers 0. On, on note ça en disant que c'est un petit taux de 1 sur n puissance k. Et bn n de f, eh ben, pareil, c'est 1 sur n k fois un truc qui tend vers 0. Donc b n de f est un petit taux de 1 sur n k. Ok Voilà, voilà, voilà. Donc si f est de classe ck, vous voyez, ça tend vite vers 0, en fait. Hein. Les coefficients de, de Fourier tendent vachement vite vers 0. Plus f est régulière, plus les coefficients de Fourier tendent vite vers 0, en fait. On hein. peut montrer ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le petit théorème ici. Si f est de classe C infini, ça veut dire qu'elle est de classe K, Ck pour tous les cas. Ça veut dire que, du coup, pour toutes les valeurs, An est un petit taux de 1 sur nk pour toutes les valeurs. Alors, du coup, vous voyez, ça veut dire que n, ça doit être un truc du genre exponentiel moins n, un truc comme ça. Enfin, ça tend plus vite vers 0 que tout que les inverses de tous les polynômes d'accord donc euh, voilà c'est un truc qui tend très vite vers zéro, et bien aussi voilà voilà donc ça peut être sympa hein, parce que je veux dire euh, voilà une fonction tiens euh, oui euh, je sais pas moi, une fonction quelconque vous savez qu'elle est assez infinie on dit ah est-ce c'est ça sa série de Fourier pour regarder en deux secondes il ah, non non c'est pas un petit taux de 1 sur n 4 donc c'est sûr c'est pas ça ça peut être oui comme ça ça peut faire ça fait un peu magique quoi Alors, les mecs ils mélangent les séries de Fourier ouais, quelle série de Fourier quelle fonction on peut détecter comme ça en deux secondes attends celle-là celle-là est classe C4 ça ne peut pas être ça, c'est la de Fourier, oui. Avec des critères comme ça, ça peut toujours impressionner les gens quand on connaît ça. Mais enfin bon. Et alors, le truc, c'est marrant, c'est que la réciproque est vraie. Donc, c'est ce va démontrer maintenant hein, On va supposer que <coughs> je note l'hypothèse HK, c'est que AN de F est un petit taux de 1 sur NK, et BN de F est un taux de 1 sur NK. Je vais démontrer que si HK est vrai pour tout cas, alors, ma fonction F de départ, qui était a priori était juste continue, elle est euh, C est infini. OK Donc voilà. Hein, si j'ai cette hypothèse-là sur mes coefficients de Fourier, je sais quand même que ma fonction départ est continue. Alors, allez, c'est infini. Alors, allons-y. Donc, j'appelle fn de x, n de f cos n omega x plus bn de f sinus n omega x. Alors, omega, c'est 2π sur t, hein, comme d'habitude. Okay. Donc, euh, voilà. Et puis, je prends f de x égale la somme des fn de x, hein, un truc absolument classique, c'est-à-dire la série de Fourier, en fait, de la fonction f. Et Feger me dit que f de x est égale à la somme de cette série de Fourier lorsque cette série converge. Je ne sais pas si cette série converge souvent, mais en tout cas, quand elle converge, c'est forcément vers f. x ok Mais si je prends l'hypothèse 2, H2, c'est que les n sont des petits taux de 1 sur n2, et bn est un petit taux de 1 sur n2. Mais du coup, là, je peux majorer le terme général de cette série comme un malpropre. Vous voyez, plaf, plaf, plaf. Valeur absolue de tout ça, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Les en valeur absolue, c'est plus petit que 1, je les enlève, c'est plus petit que valeur absolue de an plus valeur absolue de bn, qui sont tous les deux des petits taux de 1 sur n2. Donc la série est absolument est normalement convergente, d'accord Donc uniformément convergente, etc. Donc, bah, du coup, comme ce sont des fonctions qui sont toutes continues, si la série converge uniformément, bah, la limite est continue. Ok Donc même, je n'avais pas besoin de supposer continue, continue par morceau, ça suffisait pour pouvoir calculer les coefficients. Ok H2 me dit que f est continue. Mais après, si je fais H3, bah, du coup, je fais le même raisonnement sur f ok Et ça montre que la série des f n, hein, quand je dérive, il y a un n qui sort. Ouais, mais d'accord. Mais du coup, ça reste. NAF, n plus NBn, ça reste des petits taux 1 sur N2, donc la série est encore normalement convergente pour F'. prime. Okay. Et donc si la somme des f' est normalement convergente, donc forme convergente, ça veut dire que f est dérivable, et même de classe C1, puisque elles sont de classe C1. Ok, vous savez, c'est le fameux théorème sur les dérivés des séries de fonctions. Hein, qui, je vous rappelle, c'est si les séries des fn' convergent uniformément et que f est continue, ce qu'on a déjà démontré avant. Alors, f est de classe C1. Enfin, si tous les fn' sont continues aussi. Hein. OK. Voilà. Et ainsi de suite. À chaque fois, si je suppose l'hypothèse HP plus 2, ça me donne que les dérivées PIM de f, la série des dérivées PIM de f est normalement convergente, et donc que f est de classe CP, parce que j'ai déjà toutes les hypothèses précédentes, etc. Et donc voilà. Et donc j'en ai dit finalement que si l'hypothèse HK est vraie pour tous les cas de R, eh bien, alors f est de classe C infinie. C'est la réciproque que j'annonçais. Et voilà, c'est ça que je voulais vous raconter sur le théorème de Fégère. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sauf que. Ah zut Il n'oublie pas celui-là. Allez, j'avais promis que je ferais le petit calcul. Je vais faire le petit calcul avant de vous quitter. <laughs> j'ai mis en panique le, <laughs> le monteur qui allait arrêter la vidéo. Là, j'ai fait une surprise. Bon, alors, allons-y. On fait le petit calcul. Donc, fn de x, vous savez, la, la moyenne des noyaux de Dirichlet, hein, la formule avec les 1 sur n, machin au carré, là, on va la démontrer maintenant, pour ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas craqué. Alors, donc, hein, la définition, c'était 1 sur n, somme pour n allant de 0 à n-1 des noyaux de Dirichlet, et les noyaux de Dirichlet, c'était ce sinus-là divisé par ce sinus-là. OK Donc là, celui-là, il ne dépendait pas de n, donc je l'ai sorti de la somme, pouf, et j'obtiens cette petite chose-là. Alors, on va calculer cette petite truc-là. Et donc l'astuce, vous savez, pour calculer ces sommes de sinus, hein, c'est de se ramener au nombre complexe et donc de calculer la somme pour petit n allant de 0 à n-1, c'est pareil, de Ei de n plus 1 oméga x sur 2. Pourquoi bah Parce que comme ça, quand je prends la partie imaginaire de ça, j'obtiens exactement ça. D'accord Donc on va regarder la partie imaginaire de cette somme-là. Alors cette somme-là, elle n'est pas bien dure, parce que vous voyez, si je mets Ei oméga x sur 2 en facteur, j'obtiens une somme géométrique. Ce qui reste, c'est EI n Omega x, parce que c'est 2n Omega x sur 2, okay, le 2 simplifie EI n Omega x. Donc cette somme-là, maintenant, c'est une somme géométrique, hein, c'est EI x le tout à la puissance n. Donc on connaît la formule par cœur, donc lui, je l'ai gardé. Ça, ça fait 1 Q puissance n plus 1 sur 1 Q, vous savez, mais alors là, c'était jusqu'à n 1, donc 1 Q puissance n. Comme Q, c'est EI x, bah, ça fait EI n Omega x sur 1 Q sur 1 moins -E, EI x. Ce que là, tout va bien. Après, c'est la même astuce qu'on a vu dans la preuve de Dirichlet hein, Donc je, je vais plus vite mais parce que normalement vous êtes censé l'avoir vu. On met en facteur ici E N omégax sur 2 et ici oméga E sur 2. D'ailleurs, quand je le mets en facteur ici, ça simplifie avec celui-là. Donc déjà ça ça dégage et là, il va rester donc E I sur 2 en facteur que j'ai mis ici et donc ici bah voilà, du coup quand j'ai mis ça en facteur, ici il reste ei moins in N sur 2. Quand je multiplie, ça fait bien 1 et ici, e I, n oméga x sur 2, quand je multiplie, ça fait bien sur 2 plus sur 2, ça fait bien 1, donc ça fait bien ça. Et puis lui, pareil, j'ai mis oméga x sur 2 en facteur, j'obtiens ça. Ok, voilà pourquoi on fait ça, parce que ça vous savez que c'est euh, 2i sinus n oméga x sur 2, et ça c'est 2i sinus oméga x sur 2, autrement dit, ça c'est la même chose que e I, n oméga x sur 2 fois ça. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, la partie imaginaire de ça, maintenant c'est pas bien compliqué, hein, c'est sinus n oméga x sur 2, au carré enfin voilà fois sinus n omega x sur 2 sur ça. Donc finalement euh, cette somme là elle vaut sinus n omega x sur 2 au carré sur sinus omega x sur 2 donc je multiplie par ça vous voyez. Hein, Qu'est-ce que j'obtiens bah, du coup le 1 sur n c'est là le sinus omega x sur 2 fois le sinus omega x sur 2 bah, c'est sinus omega x sur 2 au carré et là j'avais déjà sinus n omega x sur 2 au carré donc voilà j'obtiens exactement ce que j'avais annoncé. Donc voilà, c'est positif cette formule. Bon, c'était pas si compliqué mais je voulais pas trop euh, alourdir la preuve du cas général. Donc voilà, cette fois, c'est vraiment fini. Et je félicite ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est bon, Mourad, tu vas pouvoir couper. Au revoir, à bientôt.